Bonjour Beauty Room, je suis Sonia Durando, je suis la formatrice internationale pour Yonka et on va parler ensemble de ce qu'est le spa. Historiquement, le spa, c'est déjà une ville en Belgique qui représente l'eau et qui veut dire sanitas per aqua, donc qui est la santé par l'eau. Effectivement, les spas, c'est quelque chose d'assez récent partout dans le monde. Ça fait à peu près 15 ans que les spas se sont développés. Nombre de personnes vont dans des spas pour se détendre, pour avoir des soins aussi beaucoup plus spécifiques dans des ambiances très particulières. Et pourquoi l'eau ? Puisque l'eau doit être tout le temps présente dans le spa, il doit au moins y avoir une fontaine ou une piscine ou un hammam. Et d'ailleurs, Yonka s'est beaucoup développé aussi dans le monde du spa, mais pas seulement, aussi dans tous les... Le spa dans une ambiance zen, ça c'est quelque chose que Yonka sait faire. Et le spa aujourd'hui s'ouvre beaucoup plus vers une orientation plus médicale, justement avec des soins beaucoup plus traitants, beaucoup plus thérapeutiques. Et comme Yonka a commencé dans les hôpitaux, c'est quelque chose que l'on connaît et qu'on peut développer réellement. Les femmes actives aujourd'hui ont besoin d'avoir un endroit pour se détendre et le spa répond tout à fait à ces besoins puisque c'est un endroit qui est au milieu de la ville mais qui est finalement un petit peu à part puisque c'est vraiment l'endroit où on va faire une pause. D'ailleurs, les hommes comme les femmes ont tout à fait accès au spa avec des soins professionnels. Le plus demandé généralement sont les soins, les massages et les soins d'exfoliation pour le corps. Oui, de plus en plus les hommes font partie vraiment intégrante de la clientèle du spa. Et ils viennent aussi bien pour le visage que pour le corps. C'est la part de la clientèle masculine augmente chaque année.